Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Boubouleur. Aujourd'hui j'espère que vous avez la forme pour en passer super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne personnelle pour une tentative nucléaire sur la map Havoc en domination solo. J'étais équipé de mon XR2 pour un plus de 70 kills et j'espère qu'on va faire la nucléaire, vous le verrez bien à la fin de la partie. Je compte envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires telles que CodeQG et CodeSev, je les remercie d'avance si m'upload. Aujourd'hui j'ai un petit sujet pour vous, quel type de nucléaire préférez-vous sur Call of Duty 2016? Je vais tout de suite donner les trois types de nucléaire présentes principalement sur Call of Duty. Il va y avoir la bombe nuque de MW2, c'est-à-dire qu'elle va tuer tout le monde et à la fin elle va finir la partie. Après il va y avoir la MOAB, la KEM qui va tuer juste l'équipe ennemie et mettre un petit nuage de fumée. Et après il y a la médaille bien sûr comme dans les Call of Duty Black Ops. Sans dire de conneries, je crois que les bombes qui explosent c'est 25 kills ou 24 kills si vous avez détermination et la médaille nucléaire c'est toujours 30 kills. La bombe nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare 2 était disponible, en tout cas on pouvait l'avoir avec No Score Strike, donc je ne pense pas qu'elle fera son retour. En effet, beaucoup de joueurs et beaucoup de personnes sur YouTube associent la nucléaire à une certaine difficulté et sur MW2, désolé, mais elle est très très facile à avoir. Surtout qu'elle finissait la partie, donc tout le monde avait vu que t'avais la bombe nucléaire, mais à la fois, bah ça cassait les couilles parce que tu pouvais enchaîner peut-être un gun strike ou même faire une grosse série. Pour ceux qui s'en souviennent, les score strikes sur MW2 en plus étaient très meurtriers, c'est-à-dire que dès que t'avais fait 7 kills, et ben si t'arrivais à jouer assez safe, et ben hop, t'avais directement ta nucléaire. Le petit combo, le mitrailleur et le Pavlo ou même la C-130, vous connaissez bien sûr. Après, à la sortie de MW3, Infinity Wars a décidé de choisir une bombe nucléaire qui était faisable qu'avec les kills à l'arme. En effet, cette première bombe s'appelle la MOAB ou la MOAB comme vous voulez, et on pouvait l'avoir à partir de 24 kills si on avait la toute détermination, sinon c'était 25 kills. Cette bombe tuait toute l'équipe ennemie et lâchait une petite fumée orange si je ne me plante pas sur toute la map, donc ça te gênait un peu au niveau de la vision, mais à la fois c'était vraiment badass. Pour ceux qui sont un peu plus récents sur la série Call of Duty, c'est un peu le même principe que la KEM sur Ghost ou même que la DNA sur Call of Duty Advanced Warfare. En effet, tu débloques une bombe, tout le monde le voit, là tu lâches ta bombe, tu fais la petite fumée verte, la petite fumée orange, bref la fumée de toutes les couleurs, mode Gay Pride, ma gueule, toi-même tu sais. Et après il y a la dernière nucléaire de la part de Treyarch. En effet, Treyarch a une médaille nucléaire depuis Black Ops 2, donc ça va être débloqué à 30 kills, et tous les 5 kills, on verra notre petite médaille, comme sur les anciens Call of Duty. Je trouve ça vraiment dommage que ça soit qu'une médaille, parce que personne ne la voit dans la game. Certes, t'as ta petite carte d'agent, etc., qui s'affiche juste après, parce que tu peux la mettre, une fois que t'as fait ta première nucléaire, mais au final, personne ne sait que t'enchaînes les nucléaires, ou même que t'as fait une double nucléaire. Vous allez me dire, oui, mais sur YouTube, on peut le voir, ben oui, ça va servir juste pour les YouTubeurs. Après, les joueurs lambda, et ben ça va leur servir à rien, en tout cas, ils auront aucune preuve spéciale qu'ils auront réussi leur nucléaire, ou en tout cas dans cette game là, parce qu'après il y a toujours moyen de chercher dans les médailles et de trouver la nucléaire, mais sinon dans la game t'as aucune preuve à tes potes que t'as fait la nucléaire, parce qu'après il y a toujours moyen de chercher la nucléaire dans nos médailles etc, mais au final nos ennemis ils ne sont pas sûrs que t'as fait la nucléaire. Donc là on va procéder tout de suite à mes hypothèses, n'hésite pas à débattre avec moi dans l'espace des commentaires si t'as des hypothèses différentes ou même que tu es d'accord avec moi. En effet, pour moi je ne pense pas que Infinity Wars va se pencher vers la médaille de Treyarch, parce que la médaille c'est Treyarch. Après ils ne vont pas se pencher vers une bombe nucléaire à la MW parce que c'était vraiment casse-couille que ça termine la partie. Pour Infinity War, je pense que c'est un peu faible 30 kills à l'arme et d'être récompensé seulement avec une médaille. Je pense fortement qu'il va y avoir une bombe nuque parce que depuis MW2, ils nous ont habitués tout le temps à des bombes nuques. Je suis déjà presque sûr que la bombe nuque va être débloquée à 24 avec détermination ou bien à 25 parce que tous les ans ils nous font le coup. En effet, moi je préfère les bombes nuques qui explosent et qui pètent sa mère parce que au moins ça te donne une satisfaction personnelle et en plus t'as montré aux ennemis que tu leur as éclaté la gueule. Et bien sûr ça explose, mais au moins ça finit pas la partie et ça tue pas tes alliés et ça ne te tue pas personnellement, donc du coup tu peux pouvoir enchaîner une double ou même une triple nucléaire. Vous l'avez bien compris, moi je veux une bombe qui pète sa mère et qui défonce les ennemis et qui prouve aux ennemis que c'est toi le plus fort dans la game. Je m'en fous que ça soit de la fumée violette, rose, bref, tout ce que tu veux, ça c'est pas un problème. Je veux surtout que les ennemis voient que tu leur as éclaté la gueule. Si t'es sur une chaîne communautaire, bah n'hésite pas à venir checker ma chaîne, je propose principalement du Call of Duty. Sur ce, c'était Boubouleur, like, abonne-toi, lâche un petit comme, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Bisous sur la fesse droite, bisous sur la fesse gauche, et sur ce, salut tout le monde.